Merci beaucoup. Suite à cette mise en jeu effectuée par Thierry du club 41, voici maintenant le vrai début de match. Et tout de suite, les Verts de Lannion s'emparent de la balle. Et le numéro 9, Yannick Beaulemont, qui passe sur le côté droit au numéro 8, Sébastien Sabio, qui ouvre la marque pour les Verts de Lannion. Mohamed Oulini à la mène pour le moment, dans l'axe, trouve sur le côté droit Julien Fleuteau. Julien Fleuteau qui a bien travaillé avec Lorenzo Botterberg, qui traverse tout, bras roulé arrière de Julien Fleuteau, manqué. Et sorti dans l'axe, Franck Etavar qui pousse fort, qui donne sur le côté gauche et c'est un 2 contre 2. Oh, quel travail défensif de Mohamed Oulini qui vient le bloquer. Cette contre-attaque, ça y est, le jeu va se poser maintenant du côté de Lannion. Tentative de tir du numéro 15, Adrien Abgral, 45 degrés côté droit, manqué, récupéré cette fois-ci par Patty Cotibingo qui est à la main pour Saint-Avold les Red Dragons, qui prend le couloir gauche, accélère, la donne dans l'axe à Julien Fleuteau, Julien Fleuteau main gauche, oh là là, tir manqué de Julien Fleuteau et relance verte. Et balle volée par Mohamed Oulini sur ce très bon retour par l'arrière. Mohamed Oulini qui accélère à une roue pour s'arrêter. Jolie passe en hauteur sur Sam Bader qui marque 2 points. Le panier est accordé. La faute a été sifflée à Adrien Abgral, le numéro 15 de cette équipe de Lannion. Ah, numéro 8. Sébastien Sabio, la faute, erreur de l'arbitrage qui vient de se rectifier. Je lui switch pour ce premier lancer franc de la partie. Et presse du côté de Saint-Avold, qui cette défense a été leur marque de fabrique tout au long de la saison. Et l'arbitre siffle les 8 secondes, la presse a été efficace. Julien Fleuteau côté droit, qui fin de shoot, passe à l'intérieur à Sam Bader, mais Sam Bader n'arrive pas à maîtriser. Et la balle ressort et sera verte. Longue passe de la part de Lannion pour sortir de cette presse. Et coupe très rapide de deux joueurs de Lannion, mais malheureusement il n'arrive pas à en profiter. La balle est maintenant côté droit sur Franck Etavar, sur le numéro 13. Et tir très lointain du numéro 9 qui échoue sur la plaque. Sam Bader au rebond, qui relance dans l'axe. C'est un 3 contre 3. Travail défensif de Lorenzo sur le côté gauche qui s'est échappé de suite à son bloc. Et très belle passe et beau panier de Lorenzo sur ce bloc et flash. Excellent travail défensif, ça y est, le troisième vert vient de passer la ligne et Lorenzo Botterberg revient comme une fusée et pousse la balle en touche. Il ne reste plus que 6 secondes de temps de possession pour attaquer pour l'équipe de Lannion. Shoot à mi-distance pris par le numéro 8. Sabio, Sébastien Sabio qui est échoué, c'est Lorenzo Botterberg cette fois-ci qui monte la balle et deux joueurs blancs rentrent à toute vitesse dans la bouteille. Patty Cotibingo a ouvert la voie et a créé un espace pour Sam Bader qui l'a suivi, aller jusqu'au shoot, le panier est accordé et la faute est sifflée à la numéro 6, Angélique Pichon. Thank you.
Franchissement sifflé à Sam Bader. La balle est remise au vert sur le côté. Et à nouveau, une presse mise en place. Longue passe sur l'avant, cette fois-ci sur un numéro 6, Angélique Pichon. Mais Angélique Pichon, pour l'instant, attend. C'est compliqué. Passe arrière sur le numéro 9, Yannick Bolmont qui se retrouve à son tour bloqué. Et passe au-dessus de la défense. Malheureusement, mésentente entre les verts. Et c'est Mohamed Ounini suite à une interception de Lorenzo Botterberg qui remonte cette balle. Et Lorenzo Botterberg la redonne à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau qui manque son lay-up. Et Patty Cotibingo qui fonce dans les verts pour attraper la balle. Malheureusement, il est un petit peu en retard. Et l'arbitre lui siffle la faute. Tentative de jeu de bloc du côté des verts. Pour l'instant, ça ne réussit pas. Et c'est à nouveau le numéro 8 qui se retrouve bloqué tout seul. Il attend ses coéquipiers. Appel. Oh, très, très beau jeu du côté vert. Avec ce jeu en triangle, avec un passage, une passe d'Angélique Pichon directe sur le numéro 13, Franck Etavar, qui prend le shoot. Le shoot a été accordé et la faute a été sifflée à Julien Fleuteau, numéro 14 de Saint-Avold. Deuxième faute d'équipe, première faute individuelle. Et elle est dedans. Très beau tir pour Franck Etavar. Ah, quelle faute à nouveau du 11, Patty Cotibingo, qui n'arrive pas à maîtriser son fauteuil et rentre dans le joueur. Passage en force, sifflé. Et sur cette action offensive en passe Eva, c'est Mohamed Ounini, cette fois-ci, qui commet une faute sur la numéro 6, Angélique Pichon. Entrée en jeu du côté des Red Dragons du numéro 10, Vincent Jascula. Le coach préfère sortir Patty, le numéro 11, pour le protéger un peu suite à ces deux fautes. C'est la quatrième faute avec cette faute de Mohamed Ounini, c'est la quatrième faute d'équipe. Oh là là. Mohamed, il est parti sans la balle. Et retour en zone, sifflé. Le numéro 13 venait de l'arrière. Les arbitres discutent de ce retour en zone. Et finalement, balle verte. Travail défensif à nouveau de Lorenzo Botterberg sur le côté droit qui bloque le 13 à l'extérieur de la zone des 3 points et puis pousse l'équipe, voilà, allez, jusqu'aux 24 secondes et à perdre à nouveau la possession de cette balle. Mohamed Ounini à la main qui donne sur le côté droit à Lorenzo Botterberg
qui rend dans l'axe à Mohamed Ounini, à Sam Bader, Mohamed Ounini, Julien Feuteau, ça tombe beaucoup. Ça y est, c'est Mohamed Ounini qui prend le tir. Presque à la ligne des trois points, il est aux trois points avec ses roues arrière, ses petites roues arrière. Très beau shoot. Et très beau slalom du numéro 13 dans la bouteille. Et encore une fois, c'est Lorenzo Botterberg qui surgit, la pousse en touche du bout des doigts. Très bon début de match de la part de Lorenzo Botterberg. Que ce soit offensivement ou défensivement. Cette fois-ci, c'est le numéro 8 qui fait son appel dans la zone. Sam Bader sur lui et la balle rentre. Sébastien Sabouillot. Mohamed Ounini à la main, qui passe dans l'axe, passe côté gauche, bloqué par deux joueurs, qui la donne sur Sam Bader dans l'axe. Sam Bader encore, qui a bien fixé pour la donner à Julien Feuteau. Et cette fois-ci, Julien Feuteau, numéro 14, ne loupe pas son shoot. Yannick Bolmont, le meneur de cette équipe verte, attend que ses équipiers bougent. C'est nouveau le numéro 8 qui a fait l'effort. Ah là là, rebond pris par Angélique Pichon qui remonte. Et c'est Lorenzo Botterberg qui fait la faute sur Angélique Pichon. Elle aura deux lancers. Surnombre créé par Mohamed Ounini qui revient dans l'axe comme une fusée. Qui redonne à Sam Bader côté gauche. Sam Bader qui joue avec Vincent Jascula sur ce côté gauche. Qui se procure la position de shoot. Qui tire au buzzer et marque. Très beau travail à deux sur ce côté gauche avec Vincent Jascula. Pour offrir une position de shoot à Sam Bader. Bon prix par Mohamed Ounini sur ce tir manqué pour Lannion. Et Julien Feuteau tente de se battre, mais la balle n'était pas dans le bon axe, dans le bon sens pour que Julien Feuteau puisse la maîtriser correctement. Yannick Bolmont à la main, qui parle avec ses joueurs. Et cette fois-ci, sur le côté droit, le numéro 13, qui passe dans l'axe. Très beau tir de Franck Etavar, ce numéro 13, devant Vincent Jascula. Il est un peu petit pour défendre sur des tirs comme ça, il a 30 cm de moins. Mais il a fait l'effort d'aller le contrarier. Passe intérieure sur Lorenzo Botterberg. Tir un petit peu manqué. Et les Verts ressortent cette balle, passe la ligne. Ah, très très belle passe dans le dos du défenseur. Dans le dos de Sam Bader. Malheureusement, le tir a manqué. Est manqué, et du côté des Blancs, la balle est à nouveau côté droit sur Julien Feuteau. Julien Feuteau qui travaille avec Lorenzo Botterberg, qui prend le tir. Ah, décidément, il n'est pas en forme sur ses tirs, il n'en a marqué qu'un seul pour le moment, Julien Feuteau. Et encore une fois, un tir pris par les Verts de Lannion, longue passe de Sam Bader, mal ajusté sur Julien Feuteau et temps mort pris par Saint-Avold.
Et changement déjà annoncé du côté de Lannion. Le 5, Christophe Caro va faire son entrée, ainsi que le 10, Roland Ligné. Reprise, donc changement annoncé déjà du côté de Lannion. Le capitaine en jeu devient Franck Etavard, le numéro 13. Et du côté de Saint-Aval des Red Dragons, changement également avec l'entrée du numéro 5, Boubacar Konaté, qui est ici à la défense sur le numéro 10. Il touche la balle sans pouvoir l'intercepter. Et là, sous la pression, mais c'est lui qui prend la balle déviée par Sambader, qui remonte cette balle, qui met la pression. Il la rend à Sambader. Sambader qui rentre dans l'axe, tout seul dans l'axe, qui prend le shoot. Oh là là, tire complètement à côté. C'est Boubacar Konaté qui a pris le rebond et manqué ce tir. Alors, elle est verte cette balle, mais tout de suite la presse a été mise en place. Ah non, elle revient aux Red Dragons. Elle est blanche cette balle, excusez-moi. Vincent Jascula qui prend un tir sur la planche, malheureusement trop de force pour Vincent. Entre deux sifflets, la flèche indique que la balle sera pour les Red Dragons. L'arbitre est venu voir la table. Sur le dernier tir, la balle n'a pas touché l'anneau, donc remise à 14. Ça tourne beaucoup, beaucoup de mouvements. Et très belle passe intérieure. Malheureusement, Vincent Jascula est un peu petit pour ce style de jeu. En dessous, l'ouverture était très petite et il y a eu 3 secondes de sifflet par l'arbitre. Ah, et j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il y a eu un autre changement. Le numéro 8, Lorenzo Botterberg, est sorti et c'est Christophe Anouk qui est entré, le numéro 9. Alors, particularité, hein, 3 joueurs de l'équipe des Red Dragons de Saint-Avold sont belges. Oh là là, magnifique tir, malheureusement elle ressort. Tentative de tir de Franck Etavard. Donc j'étais en train de vous dire qu'il y a 3 joueurs de l'équipe de Saint-Avold qui sont d'origine belge. Lorenzo Botterberg, Sam Bader qui vient de récupérer la balle ici. Et Christophe Anouk. En deux temps, Sam Bader. Un petit panier côté droit sous l'anneau. Il reste 5 secondes dans ce premier carton. La balle passe la ligne médiane. Tentative de tir trop. Oh, elle a failli rentrer. Quasiment du milieu de terrain. Et fin de ce premier carton. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour le second carton. Reprise pour ce second carton. Durant la pause, les arbitres ont eu l'occasion d'échanger sur le retour en zone et la table a débattu du retour à 24 ou à 14 secondes sur le dernier tir. Et
sur cette première attaque. L'interception à nouveau des Red Dragons. Sam Bader qui repart, qui la redonne dans l'axe à Patikoti Bingo, qui décale côté droit à Christophe Anouk. Christophe Anouk, 2 points en bas au niveau de la bouteille. Et le coach des Red Dragons, Michel Mensch, qui demande tout de suite à ses joueurs une presse à nouveau. Patikoti Bingo et Sam Bader. Sam Bader qui réussit à arracher la balle, bien décalé par Patikoti Bingo sur cette pression mise sur le meneur. Alors cette fois-ci, passe longue pour que la balle passe la ligne. C'est la numéro 6, Angélique Pichon, qui s'empare de la balle et passe lancée sur le numéro 5, Christophe Karoff. Christophe Karoff qui marque là un joli lay-up. Et un retour extrêmement rapide en descente de Christophe. Très beau geste. Patikoti Bingo qui feinte, passage à droite, qui donne à gauche, ça revient sur lui, qui prend le tir. Oh là là, magnifique tir. La balle est montée très très haut. Et à nouveau, la presse mise sur ses joueurs verts. Et à nouveau une passe lancée, mais cette fois-ci sur le numéro 10, et Sam Bader laisse filer Roland Ligné tout seul, qui va marquer 2 points. La balle arrive côté de gauche sur Vincent Jascula, ça revient sur Patikoti Bingo qui donne dans l'axe à Sam Bader en sautant le pivot défenseur central numéro 13, et Sam Bader marque un 2 points. Patikoti Bingo encore en presse sur le numéro 13. La balle passe la ligne médiane pour les Verts. Aide numéro 10. Et Sam Bader qui contre cette passe. Et passe aveugle sur Patikoti Bingo à droite qui est basculé en l'air. Ils sont 3 Verts. D'avance. Christophe Anouk revient très bien. Et magnifique choix de passe. Donc, c'est la numéro 6, Angélique Pichon, qui marque ses 2 points. Vincent Jascula, gauche, Paty dans l'axe numéro 11, qui trouve à nouveau Sam Bader dans le trou. Alors, Sam Bader marque les 2 points. Et la faute est sifflée à la numéro 6, Angélique Pichon. Seconde faute d'Angélique Pichon. Et coaching de Lannion directement pour la changer. Elle sort pour se reposer un petit peu et pour la protéger. Et c'est à nouveau le numéro 8, Sébastien Sabio, qui rentre à sa place. Lancé franc manqué par Sam Bader, et c'est le numéro 13 qui relance, arrêté par le numéro 5, Boubacar Konaté. Le très grand Sébastien Sabio, bloqué, et Sam Bader a bien lu l'appel du numéro 5, il vient se placer sur la ligne de place. Christophe Vanhoek qui slalom, qui donne à gauche sur Paty, Paty qui prend un très très beau shoot. Côté gauche. Et à nouveau presse. Sam Bader qui vient de bloquer un joueur. Christophe Anouk qui bloque le numéro 8, mais c'est le numéro 13, bien protégé par le numéro 10. Qui marque un point. Donc Franck Etavard qui marque son panier, bien protégé par Roland Ligné. La balle est sur le côté gauche, sur Vincent Oscula, ça revient dans l'axe sur Patikoti Bingo, l'arbitre siffle alors. Que se passe-t-il? Quelque chose s'est passé côté droit. Faute numéro 10 à Roland Ligné. Faute de fauteuil lorsque le numéro 15 Sam Bader a voulu pénétrer et temps mort pris par le coach de Lannion. Guillaume Lefebvre, le coach de Lannion, pendant
ce temps mort, à demander à ses joueurs. Oh là là, et quel excellent tir de Paty cette fois-ci. Côté droit, Paty Cotimingo bien protégé cette fois-ci par Boubacar Konaté pour jeter comme un fauteuil. Et donc, j'étais en train de vous expliquer que le coach Guillaume Lefebvre a demandé à ses joueurs de mettre en place un système pour passer la ligne plus rapidement. Et faute de Christophe Van Hoek cette fois-ci sur le numéro 8. Sébastien Sabio qui s'énerve quelque peu. Et donc la consigne du coach pour passer la ligne médiane, sortir de cette presse, a été suivie la première fois. On va voir si les fois suivantes, ils vont s'en sortir aussi bien. Le Christophe, l'arbitre a demandé à Sébastien Sabio. De venir un moment de pédagogie pour lui expliquer la faute et lui demander de revenir au calme. La balle sera remise sur le côté suite à cette faute de Christophe Van Hoek, le numéro 9 de Saint-Avold. Sébastien Sabio qui a manqué son tir, Christophe Van Hoek qui a pris le rebond, qui pousse dans l'axe, toujours dans l'axe, qui fixe dans l'axe, qui trouve Sambader à sa droite, Sambader qui prend le tir sur la planche, le tir rentre, un tir à 45 degrés. Bataille pour se sortir de cette presse du côté vert cette fois-ci. Et jolie passe qui trouve Sébastien Sabio sous l'anneau. Vincent Jascula n'arrivera pas à fixer ce rebond. Et c'est le numéro 5, Christophe Karoff, qui en profite à nouveau pour marquer un 2 points sous l'anneau. Le côté gauche sur Vincent Jascula qui prend son tir, il n'est pas attaqué. Excellent travail défensif de Boubacar Konaté et de Paty Cotimingo qui ont volé cette balle. Paty Cotimingo dans l'axe, décale sur le côté droit Sambader. Il demande à son équipe de se replacer. Paty à la main, qui trouve Bouba sur la droite. Bouba tente la passe intérieure. Malheureusement, la passe est interceptée. Et la contre-attaque est manquée par les Verts. Bien relancé sur le côté droit. Jolie passe sur Paty Cotimingo. Paty Cotimingo qui prend le tir, il manque le tir, il s'en veut, il se prend la tête dans les mains. Et la faute a été ciblée, a sifflé à Sébastien Sabio. Deuxième faute individuelle. Le geste est beau, mais la balle est un tout petit peu longue et ressort de l'anneau. Et il se rattrape avec son second tir. Voilà, et encore, on entend Michel Mensch, le coach, aller encore, ce qui veut dire qu'il veut encore voir la presse. Christophe Van Hoek bien agressif. La balle a passé la ligne. Et cette fois-ci, c'est Boubacar Konaté qui intercepte. Et jeu en triangle, magnifique. Mais Paty un peu petit pour ce genre de tir. Mais encore une fois, très beau collectif de la part des Red Dragons. Et cette fois-ci, c'est le numéro 13 qui commet, Franck Etavar, qui commet la faute sur Paty Cotimingo, qui se retrouve à nouveau au lancer franc. Et quatrième faute d'équipe, le cône sera levé dès qu'il aura la balle en main.
bonne défense de Bouerbach Konaté. Normalement, j'ai pas deux. J'en ai une. Tir au buzzer, très long, tentative de tir à 3 points. C'est Christophe Vanhoek qui s'empare de cette balle, qui va dans le milieu, qui fixe, il attend que ses coéquipiers se présentent et finalement la donne derrière lui à Patty Cotimingo. Patty Cotimingo qui temporise, la donne à Sam Bader qui monte dans l'axe, bascule côté droit sur Vincent. Vincent Achevia s'approche et prend tranquillement un tir à 2 points. Magnifique tir de Vincent. Et c'est le numéro 13 qui a fait un travail extraordinaire, Franck Etavard, en passant côté gauche. Patty Cotimingo qui a fait un appel à Christophe Vanhoek. Christophe n'a pas entendu, mais il est là pour le rebond et remonte pour ce 2 points côté gauche. Changement du côté de Lannion, c'est la numéro 6, Angélique Pichon qui rentre à nouveau et Sébastien Savion, numéro 8, qui sort. Changement également du côté de Saint-Avold, Patty qui sort et Mohamed Olini, Momo, le numéro 7, qui entre à son tour. Grosse pression défensive, il y a encore deux verts dans la zone arrière, mais cette fois-ci c'est le numéro 10 qui s'en sort bien, traverse la défense, mais n'arrive pas à trouver. Oh, jolie main arrière, et Sam Bader se retrouve par terre, déséquilibré. Magnifique travail du numéro 10. Ce n'est pas souvent qu'on voit Sam Bader se faire avoir aussi facilement. Au football, on appellerait ça un grand pont. Et c'est reparti pour Lannion. Il reste 3 secondes. Balle contrée sur ce tir très très hasardeux. Boubacar Konaté se retrouve seul. Il temporise. Il trouve Mohamed Olini. Mohamed Olini, longue passe sur Christophe. Et photo numéro 5, Christophe Karoff, qui a poussé quelque peu le fauteuil de Christophe Vanhoek au moment où il a voulu s'en emparer et monter à l'anneau. Heureusement, Christophe Karoff a un bon sens de l'humour. Il va se replacer déjà en zone arrière. La balle roule sur l'anneau. Boubacar Konaté la reprend, la donne à Sam Bader et Sam Bader seul manque son tir. Relance du numéro 10 qui sert très bien le 15. Le 15 et Adrien Abgral marque un panier côté gauche. Il fallait le mettre, il y avait deux mains qui étaient devant lui. Et remise en jeu. Mohamed Olini dans l'axe, qui sert côté gauche, Vincent Jaskula, Vincent Jaskula protégé par Christophe Vanhoek, oh, qui prend une nouvelle fois un tir, magnifique tir, il a un mètre de la ligne des 3 points, et gros travail défensif de Mohamed Olini, la balle ira, donc la balle de relance pour Lannion ira directement en touche, oui, j'étais en train de vous dire, magnifique tir de Vincent Jaskula. Son quatrième ou cinquième tir à mi-distance, tire très loin.
Vincent Jascul est à un point. Pour ceux qui suivent l'handi basket, au niveau quart de classification, ils savent ce que ça veut dire. La balle tourne bien, c'est Mohamed Ouini qui prend le... Voilà, regardez, Vincent Jascul, il en veut, il a pris le rebond là. Malheureusement, il n'a pas réussi à sortir la balle sur Christophe Ornoux comme il le voulait. Gros travail défensif en ligne. Et c'est une nouvelle fois le 13 qui réussit à passer la défense, qui a servi ses coéquipiers. Et le long tir tenté à 3 points sort en touche encore une fois. Lannion a de plus en plus de mal à se rapprocher de son panier. Tentative de 3 points de Vincent Jascula. Vincent Jascula se sentait en forme avec tous ses paniers réussis. Un peu trop confiant peut-être sur ce coup-ci, mais il ne reste que 6 secondes au compteur pour cette première mi-temps. Le 10 qui part comme une flèche. Et Christophe Ornoux qui est bien revenu, qui a intercepté cette balle au dernier moment avant que le 13 s'en empare. Fin de cette première mi-temps et l'équipe des Red Dragons de Saint-Avold mène par 40 à 25. Retour sur le terrain de Saint-Avold pour cette seconde mi-temps qui oppose les Red Dragons de Saint-Avold face à Lannion. Et on attaque par une attaque collective avec une belle passe en dessous de l'anneau de Julien Feudot sur Sam Bader qui en deux temps marque deux points. Du côté vert, l'équipe s'organise pour passer plus rapidement la ligne pour ne plus perdre cette balle sur 8 secondes comme tout à l'heure. Mais se sortir de cette presse imposée par Saint-Avold n'est pas toujours très aisé. Et excellente défense de Lorenzo Botterberg à nouveau, qui dévisse cette balle, récupérée par Patikoti Bingo. Sam Bader dans l'axe pour Lorenzo en dessous. Et Lorenzo deux points. Sébastien Sabio. Très grand, attend que ses coéquipiers se disposent. Et très belle passe. Pendant qu'il roule, Lorenzo Botterberg intercepte cette balle sur le numéro 5, Christophe Karoff. Apparemment, d'après les gestes de Christophe, il s'est fait toucher la main lors de cette interception. Mais... tout va bien, il se salue, il se tape dans les mains. Et Julien Flotteau qui prend le tir, qui manque son tir. Et cette fois-ci, pas de rebond offensif pour Saint-Avold. Mais c'est la numéro 6, Angélique Pichon, qui permet à son équipe de très bien passer la ligne. Excellent jeu collectif, c'est dommage. La balle ne rentrera pas dans le panier. Relance très rapide de Lorenzo Botterberg qui donne à une main. Oh, à nouveau, très 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 beau jeu collectif là, du côté de Saint-Avold avec deux passes d'affilée sous le bras. La dernière a été peut-être un petit peu téléphonée sur Lorenzo Botterberg. Elle a été déviée en touche.
Il reste 8 secondes de temps de possession maintenant. Et Sambader manque son tir, pourtant très très bien servi sous l'anneau par Mohamed Ouligny. Mohamed Ouligny qui a fait l'effort de traverser tout le terrain pour venir mettre le joueur de Lannion en touche. Lorenzo Butterberg qui vient défendre et bloquer, qui pour servir Patty. Patty qui lui rend la balle et Sambader se présente à l'intérieur, tire à une main manquée. Et en voulant la récupérer, Sambader la pousse en touche. Très bel appel de Sébastien Sabio qui passe la ligne. Et Sambader qui rentre dans le joueur numéro 5, dans Christophe Karoff, faute de fauteuil. Pour numéro 15, Sambader. Très bon fair play, les joueurs se tapent dans la main. Yannick Bolmont à la main. Yannick Bolmont encore le numéro 9 de Lannion qui prend le côté gauche. Pas de faute, mais l'arbitre a arrêté le jeu car un joueur de Lannion se retrouvait dans la bouteille au sol, ce qui peut être dangereux. Très beau geste collectif encore une fois entre Angélique Pichon et Yannick Bolmont. Malheureusement, Yannick Bolmont n'a pas réussi à se procurer de shoot propre. Et c'est Lorenzo Butterberg, le numéro 8 de Saint-Avold, qui en voulant défendre sur lui commet la faute. Excellent travail ici de Yannick Bolmont qui marque ses deux lancers, ce qui n'est pas évident du tout. Et Mohamed Ouligny qui slalom avec un travail de ses coéquipiers pour le faire passer. Julien Ploto sur le côté gauche. Ah, dommage, 3 secondes sifflées alors que... Et c'est le numéro 11 qui a commis les 3 secondes, Patty Coty Bingo. Et Julien Fleuteau, excellente défense, qui a bloqué 2 joueurs verts en attaque d'un coup. Et là, c'est Angélique Pichon qui fait un travail pour la servir à Yannick Bolmont. Yannick Bolmont sur Sébastien Sabio. Sébastien qui prend le tir. Tir manqué, Patty Coty Bingo au rebond. Et Sambader dans l'axe, qui prend l'axe central. Sambader encore, qui décale sur Julien Fleuteau, côté droit, qui s'était fait oublier. Et 2 points de Julien Fleuteau. Oh là là, enchaînement collectif, jeu à 3. Entre le 9 Yannick Bolmont qui a servi, le 5 Christophe Karoff, et Christophe Karoff sur une passe aveugle a décalé sur la droite Angélique Pichon, 2 points, très beau panier collectif. Et face à ça, cette fois-ci encore, c'est Julien Fleuteau, numéro 14 de cette équipe des Red Dragons Saint-Avold, qui est allé tout seul côté droit pour marquer. Sébastien Sabio qui prend seul le tir, tir manqué, Sambader au rebond. Le jeu qui passe très rapidement d'un côté à l'autre en ce moment, et Sambader est monté tout seul jusque sous l'anneau. Tir manqué, c'est Lorenzo Butterberg au rebond qui marque son panier
et numéro 5 des Verts de l'Amiens, Christophe Karoff, qui s'en veut un petit peu, il a fait une faute bête par derrière. Christophe Karoff qui sert dans son élan Roland Ligné qui prend le côté droit, bien bloqué par Julien Fleuteau. Et Angélique Pichon qui n'a pas réussi à maîtriser cette balle. Oh là là, quel jeu excellent, magnifique. Un jeu à trois avec Mohamed Oulini qui sert directement Lorenzo Botterberg. Le panier accordé. Et Lorenzo Botterberg qui fait un 380 degrés sur son fauteuil, sur une roue, pour monter à l'anneau. Et il aggrave la marque avec ce beau lancer. Et tout de suite en défense. Quelle erreur défensive de la part des Red Dragons de Saint-Avold. Il y avait deux verts tout seuls devant. Julien Fleuteau ne pouvait rien faire. Deux contre un. Paty Cotimingo qui remet en place son équipe. Qui sert Julien Fleuteau sur le côté droit à nouveau. Julien Fleuteau, oh là là, très beau pick and roll avec Lorenzo Botterberg, le numéro 8. Ah, on voit qu'ils aiment bien jouer ensemble tous les deux. Oh là là, Mohamed Oulini qui vient voler cette balle du bout des doigts et par son élan provoque encore la faute. C'est Roland Ligné, le 10, qui vient faire faute sur lui. Quelle vitesse encore une fois de Mohamed Oulini pour ce retour en défense. Oh, oh, que c'est beau, que c'était beau, c'est dommage, il aurait dû se retourner cette fois-ci. Lorenzo Botterberg, une magnifique passe aveugle de Julien Fleuteau sur Lorenzo. Et de l'autre côté, les Verts ne manquent pas. Un jeu simple, propre et efficace, deux points. Paty Cotimingo qui tente sa chance dans l'axe. Mais c'est Sébastien Sabio qui prend le rebond, qui sert Roland Ligné côté droit. Roland Ligné pour Christophe Karoff, numéro 5 à droite, qui joue dans l'axe, qui lui remet. Tir de point de Christophe Karoff sous l'anneau côté droit à l'extérieur de la bouteille. Fin de Samba d'air qui sert Mohamed Oulini et Julien Fleuteau qui se retrouve côté droit. Julien Fleuteau, deux points, bien protégé par Lorenzo Botterberg. Lorenzo qui avait fixé les défenseurs sous l'anneau par son appel. Julien Fleuteau a eu mis beaucoup de temps à se mettre en route et grosse accélération du numéro 10, Roland Ligné, qui récupère cette balle, qui sert Yannick Bolmont. Yannick Bolmont toujours sur le côté gauche. On a eu un excellent petit bingo, le numéro 11, qui a fait un gros travail. Vous n'avez certainement pas vu la caméra, il avait réussi à bloquer deux verts en zone arrière. Mauvaise relance des Red Dragons et Mohamed Oulini a commis la faute pour empêcher une contre-attaque trop rapide.
Angélique Pichon encore qui joue très très bien. La balle circule bien et dans l'axe tire, tir manqué, mais Roland Ligné qui prend le rebond. Et Sam Bader qui commet la faute sur cette relance. Seconde faute individuelle de Sam Bader, qui n'a pas l'air très très content avec l'arbitre. Julien Fleuteau qui bloque Roland Ligné, au départ là, Mohamed Ouligny, Angélique Pichon, Angélique Pichon qui a donné à Yannick Bolmont et qui a trouvé Roland Ligné seul sous l'anneau. Belle phase d'attaque collective de la part des Verts de Lannion. Sam Bader sur le côté gauche qui donne à Lorenzo Botterberg. Sur Julien Fleuteau qui décale Mohamed Ouligny. Mohamed Ouligny à zéro. Tir manqué. Et Sébastien Savio qui relance. Mais malheureusement, Yannick Bolmont n'arrivera pas à fixer correctement cette balle. Changement du côté de Saint-Avold. Julien Fleuteau le 14 sort. Vincent Jasculin numéro 10 qui rentre point pour point, poste pour poste. Ce sont deux joueurs à un point de l'équipe de Saint-Avold. Sam Bader sur le côté gauche. Fin de passe. Il réussit à trouver Lorenzo Botterberg en dessous. Lorenzo Botterberg a fait un magnifique 3,80 encore une fois pour se mettre dans le bon sens face à l'anneau. Et sur le rebond, sur ce panier manqué de Lorenzo, c'est Vincent Jascula, le numéro 10, qui commet une faute. Le cône des 4 fautes d'équipe est levé du côté de Saint-Avold. Il y aura donc 2 lancers. Première faute individuelle de Vincent Jascula. Et changement du côté de Saint-Avold encore une fois. Lorenzo Botterberg qui sort. Et c'est Boubacar Konaté, Bouba, qui rentre sur le terrain. Alors sur le terrain, on a quand même de très beaux joueurs, très bons, plusieurs joueurs de l'équipe de France, du côté de Saint-Avold, notamment Patty Cotibingo, qui était rappelé, du côté de Lannion, Franck Etavard, le grand numéro 13, mais également Angélique Pichon, qui fait partie de l'équipe féminine de l'équipe de France. Boubacar Konaté sur le côté gauche qui redonne à Patty Cotibingo. Patty Cotibingo, il reste 5 secondes. Qui prend le shoot dans l'axe. La balle rebondit, un petit avion et ressort. Et Sam Bader, avec beaucoup de chance là, Sam Bader, puisqu'il a laissé filer son joueur. Patty Cotibingo côté gauche qui bascule complètement sur la droite. Mohamed Ouligny qui prend le tir. Mohamed Ouligny qui manque son tir. Et tout de suite, 2 contre 1 pour les Verts. C'est le 9. Yannick Bolmont qui prend côté gauche le tir. Très très bien protégé par Roland Ligné, son numéro 10. Pour empêcher le défenseur de revenir sur lui. Sam Bader côté gauche qui prend 3 points, 3 points manqués, mais récupéré par Patty Cotibingo. Qui sert Sam Bader à nouveau. Sam Bader qui prend son tir, tir manqué de Sam Bader sous l'anneau. Et c'est Sébastien Savio qui se bat, qui relance. Balle interceptée par Mohamed Ouligny, mais elle revient dans les mains. La balle a rebondi
Et cette fois-ci, c'est bien le numéro 10, Roland Ligné, qui a fait le retour en zone. Bouakar Konaté pour Mabet Deligny, pour Patrick Petit Bingo dans l'axe, qui prend le couloir droit, qui sert Bouakar Konaté sous l'anneau. Et fin de ce troisième carton. De retour sur le terrain pour le quatrième et dernier carton de cette rencontre. Le coach de Lannion en a profité pour féliciter ses joueurs. Les Verts de Lannion ont très bien su maîtriser ce troisième carton. L'écart ne s'est pas creusé. Il y a eu de très très bons moments collectifs. Il y a eu des contre-attaques menées à leur terme. Et il est revenu sur son 5 de départ, son de début de match. Et Sébastien Sabio qui prend ce premier shoot du quatrième carton. 45 degrés, côté gauche. Juste à la sortie de la bouteille. Patikoti Bingo à la main, qui sert Mohamed Moulini, côté gauche. Patikoti Bingo encore, qui trouve Christophe Vanhoucq. Christophe Vanhoucq a une main sous l'anneau, qui marque ce 2 points. Vincent Jascula qui a des difficultés, ça y est, il a passé la ligne médiane, pourtant était coincé par deux joueurs verts. Et c'est le numéro 9, Yannick Bolmont, qui a pris la main pour Lannion. Yannick Bolmont sur Angélique Pichon à droite, Angélique Pichon qui travaille, qui donne à Sébastien Sabio, qui prend un très long tir, Sébastien Sabio, au niveau de la ligne des lancers francs. Et c'est Vincent Jascula qui prend le côté droit, le couloir droit. Bras roulé pour la Christophe Vanhoucq, qui l'a donné à Patikoti Bingo, qui passe la balle dans le dos pour se défaire de son défenseur. Christophe Vanhoucq à nouveau, il reste 7 secondes de possession. Christophe qui regarde et tire. Joli 2 points de Christophe Vanhoucq. Extérieur de la raquette. Christophe Vanhoucq qui a surgi, décalé la balle qui a été récupérée par Mohamed Moulini. Et là, c'est un joli jeu à deux entre les joueurs des Red Dragons qui se termine par un 2 points de Bouakar Konaté sous l'anneau. Ah, c'était dommage, cet appel était bien vu. Et la balle n'est pas sauvée par Saint-Avold. Donc c'est un très joli jeu à deux du côté des Verts de Lannion entre le numéro 13, Franck Etavard, qui avait bien servi Angélique Pichon sur une balle piquée à l'intérieur. Et très beau tir du côté de Lannion. Patikoti Bingo lentement
qui fait tourner sa balle et revient sur lui, il prend à nouveau le tir dans l'axe, il va se battre au rebond. Et Boubacar Konaté qui a récupéré cette balle, qui a servi Paty, qui change de côté sur Christophe Anouk. Christophe Anouk qui prend le tir, tir manqué. Franck et Tavard en patron sous la bouteille, sous l'anneau, s'impose au rebond. Et Boubacar Konaté, en voulant contester cette balle, commet la faute. Première faute individuelle de Boubacar Konaté. Franck et Tavard qui s'effraie un chemin, qui réussit à servir à nouveau Angers de Péchon. Mais bon retour de Boubacar Konaté qui sort cette balle en touche, qui pousse la balle en touche, pour être plus précis. Sébastien Sabio en position pour shooter, qui prépare longuement son tir et qui marque 2 points. Temps mort pris par le coach Michel Mensch, le coach de Saint-Avold, des Red Dragons de Saint-Avold. Red Dragons de Saint-Avold, mais une remise au point de la défense par le coach Michel Mensch. Petit bingo qui sert Mohamed Ounini côté gauche, qui remet à Paty. Oh, très joli appel de Christophe Anouk sous l'anneau. Avec une balle piquée, Christophe Anouk vient aider Vincent Jascula à passer la ligne. Belle passe et beau rebond là d'Angélique Pichon. Malheureusement, elle n'arrive pas à récupérer, à marquer, récupérer. Et c'est Vincent Jascula qui a pris ce rebond, bien relancé ses coéquipiers. Oh là là, quel jeu collectif encore une fois. Et c'est Boubacar Konaté côté droit qui marque. Pour l'instant, Saint-Avold n'a plus de presse, défend plutôt en zone. Le numéro 9, Yannick Bolmont essaye d'en profiter sur un tir à 3 points. Malheureusement, un tir manqué. Et Paty Coty Bingo, déjà dans l'axe, a bien relancé. Serre Christophe côté droit et Christophe en outre 2 points. C'est le coach de Lannion cette fois-ci qui prend temps mort pour éviter que l'équipe de Saint-Avold ne s'échappe de trop. Désinformation. Excellent jeu collectif et donc les joueurs de Lannion, les Verts de Lannion viennent de mettre en œuvre ce que leur coach leur a demandé, c'est-à-dire un jeu à deux décalé de chaque côté pour tenter le bloc, puis le pick and roll. C'est ce qu'Angélique Pichon a magnifiquement réussi à l'instant. Mohamed Ounini qui a tenté de servir Christophe Anouk à l'intérieur, mais Christophe n'a pas suivi cette passe. Ah là là, quel dommage. Relance malheureuse du côté de Lannion. La balle rebondit sur la roue arrière du fauteuil de Yannick Bolmont. Boubacar Konaté pour Mohamed Ounini. Mohamed Ounini pour Vincent Jascula dans l'axe qui sert Paty Coty Bingo et Paty prend un shoot facile, enfin il paraît facile, mais c'est des heures de travail pour arriver à cette régularité, à ce geste à l'extérieur de la raquette à mi-distance. Le numéro 9.
numéro 9, Yannick Bolmont qui a tenté le tir en utilisant la planche. Rebond pris par Saint-Avold, Bouvard Garconaté fait passer la ligne, c'est un 3 contre 1. Excellente passe encore une fois de Fatih Kotibingo sur Mohamed Ouligny qui clôt cette contre-attaque. 2 points pour Momo. Et travail collectif, 3 verts pour faire monter cette balle et bloquer le plus loin possible Mohamed Ouligny pour l'empêcher de surgir comme à son habitude. Mais cette fois-ci, c'est Fatih Kotibingo qui intercepte, qui la donne à Mohamed Ouligny et Boubacar Konaté qui protège son joueur, son meneur. Bouba qui a bloqué 2 verts derrière lui pour que Momo puisse aller filer tout seul à l'anneau. Relance de l'agneau. Yannick Bolmont toujours qui attend que ses joueurs se placent. Travaille en bas entre Angélique qui fait l'appel. Voilà, elle a reçu la balle. Et au moment de son pivot, au moment où elle monte la balle au tir, faute. Faute du numéro 11. Fatih Kotibingo. Et d'ailleurs, Michel Mensch l'a bien vu. Il fait tourner son équipe. On a 3 joueurs qui sortent. On a Mohamed Ouligny, Fatih Kotibingo, Boubacar Konaté qui sortent. Et on a à nouveau Sam Bader, le numéro 15, qui fait son entrée. Le 8, Lorenzo Botterberg. Et le 14, Julien Fleutot. 3 grands, 3 tours belges à l'intérieur, et le 10 et le 14 du côté de Saint-Avold, tous les deux à un point pour assurer la mène et les ailes. Sam Bader s'empare de sa balle, profite du trou laissé et trouve Christophe Van Hoek. Christophe Van Hoek, joli 2 points. C'est l'avantage de jouer avec 3 grands. Les grands peuvent toujours se trouver facilement à l'intérieur. Vincent Jascula, numéro 10, qui protège bien son côté au fond. Et puis Lorenzo Botterberg bien vigilant. Et en plus de ça, à fond dans la relance, qui serre Julien Fleutot et protège son coéquipier. Très efficace encore une fois Lorenzo. De la défense jusqu'à la conclusion, le panier. Franck Etavard, côté droit, qui travaille avec Angélique et qui trouve Sébastien Sabio qui a bien fait l'appel au niveau de la ligne dans ses francs. Il manque son tir. Christophe Van Hoek, le numéro 9, récupère ce rebond. La donne à Lorenzo Botterberg, le numéro 8, qui passe la ligne. Lorenzo sur Sam Bader. Sam Bader dans l'axe. Qui sert Julien Fleutot, font tout seul côté droit. Et Julien Fleutot, magnifique 2 points. Vraiment très très beau 2 points, quasiment en position 0 sur le terrain. Franck Etavard qui remonte la balle, qui la donne à Yannick Bolmont en changeant de côté. La balle est maintenant côté gauche, toujours sur Yannick Bolmont. Yannick Bolmont passe aveugle sur Franck Etavard. Ah, que c'est dommage. C'était vraiment bien bien vu. Malheureusement, Franck Etavard, le numéro 13, a bien été couvert et la balle est sortie en touche. Sam Bader pour Vincent Jascula, ça revient sur Bader, numéro 15 dans l'axe. Sam Bader qui prend le couloir gauche, qui sert à nouveau Julien, Vincent Jascula. Jean-Vincent Jascula a pris le tir, mais il a manqué. En première mi-temps, il l'a mis ce genre de panier. Il est peut-être un petit peu fatigué avec tous les efforts qu'il a fait, notamment en défense. Et 8 secondes sifflées par l'arbitre. Changement pour les Verts de Lannion. On a le numéro 5 qui rentre à la place du numéro 7 et le numéro 10 qui prend la place du numéro 8. Christophe Karoff et Roland Ligné à nouveau sur le terrain. Sam Bader qui la rend à Julien Fleutot. Julien Fleutot, ligne des lancers francs, qui manque son tir, et Franck Etavard qui veut relancer
Mais Julien Photo prend le bras de Franck Etavar et commet la faute. Il reste maintenant moins d'une minute dans cette rencontre. Angélique qui donne à Franck Etavar dans l'axe. Franck Etavar tourne côté gauche, bien suivi par Christophe Van Hoek, mais du bout des doigts, il réussit à la pousser jusque Roland Ligné. Le centre du terrain était bien couvert sous l'anneau. Sambader tout seul qui la donne à Vincent Jascula côté droit. Très belle passe à Vincent Jascula. Et Lorenzo Botterberg qui surgit, peut-être la dernière attaque, et qui sert très très bien Sam. Il a fixé son défenseur sur le côté gauche et a servi Sam Bader côté droit. Il reste 11 secondes 8 pour Lannion pour mener leur attaque. Et c'est Julien Feuteau cette fois-ci qui intercepte cette balle. Et le match se conclut sur le score de 85 à 48 pour les Red Dragons de Saint-Avold sur cette très très belle rencontre face à Lannion.